Re-coucou, on se retrouve, on est vendredi. Donc là, aujourd'hui, Christophe ne travaillait pas. Donc du coup, on a fait les lutins du... Enfin, on a aidé les lutins du Père Noël ce matin, voilà. Et donc c'est tout bon. Et puis donc là, il est 15h30. On est en train de préparer les petits parce que aujourd'hui, il y a la fête de Noël à l'école d'Eliane et Louis. Donc on va y aller. Je ne sais pas trop si je pourrais filmer quelque chose, vu qu'il y a d'autres enfants, je vais éviter. Mais peut-être qu'on fera une photo avec le Père Noël, on verra. S'il est bien là, parce que je sais pas, enfin, on verra bien. Voilà, et donc voilà, je vous retrouve soit sur la fête, soit après. Re-coucou, on est samedi matin, il est 10h30, ça fait pas très longtemps qu'on est debout, enfin surtout moi. Voilà, donc ce week-end, Christophe est d'astreinte, donc on bouge pas trop de là, voilà. On va peut-être aller acheter quand même une paire de chaussures à Louis, parce que ses chaussures commencent à être toutes cassées, là. Donc voilà, si c'est pas ce week-end, ce sera dans la semaine qui arrive, hein. En plus, mardi, ils ont pas école parce qu'il y a encore la grève, donc du coup, au pire, on ira mardi, quoi. Voilà. Autrement, je pense que je vais faire quelques recettes au Thermomix encore. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu. Et Thermomix. puis voilà, Et moi, je fais de la on va faire trottinette. des biscuits de... Noël? Oui! Oui, je ne sais même Celle-là, je la pas. ferai avec Eliane et Louis. Voilà, si j'arrive à la faire, parce que chaque fois, je la rate. Donc on verra bien. Voilà, et donc là, je suis en train de faire à manger pour les À bébés. chaque fois, attends. Pour les bébés, j'ai une lessive à étendre, enfin des choses comme ça. Je vais ranger un peu les dressings des enfants parce que c'est un peu Dressing. les Oh, armoires regarde, plutôt, c'est dressing. les placards, voilà. Des enfants Ouais, moi, c'est au niveau vêtements parce que c'est un peu bazar, donc voilà. Et puis voilà, pour ce matin. Allez, c'est parti pour les calendriers de l'Avent. Non, Donc le numéro 14. Tasse. Dites-nous si vous me voyez. Ah, Louis, il est là. Hé, pourquoi t'as ouvert le 17? Mais bah c'est pas grave, allez. Là. Non, mais oui, c'est bon. Et maintenant le Kinder. Alors, on va regarder. Là. Voilà, alors il est midi et quart, donc là je viens de passer à peu près 2 heures dans les placards des enfants à faire un peu de tri et puis enfin, parce que du tri il fallait en faire aussi dans les affaires d'Eliane, de Louis et des bébés aussi, donc voilà. Donc du coup j'ai fait ça maintenant là, voilà, ça m'a pris bien 1 heure et demie, ouais, je dirais. Voilà, j'ai étendu une lessive, j'en ai relancé une autre parce que du coup Eliane, ce qu'elle nous fait, c'est qu'elle nous met tous ses vêtements sales, voire même propre des fois, dans une caisse en bas de son armoire. Je pense que je vais supprimer la caisse dans pas longtemps parce que ça me gonfle. Mais bon, elle fait tout le temps comme ça. Elle croit que c'est du rangement, mais bon, c'est pas vraiment ça, hein. Donc, du coup, j'ai trié toute cette caisse. En fait, c'est une caisse qui sert à ranger plutôt ses costumes, ses déguisements, ses maillots de bain, des choses comme ça, quoi, voilà. Des bonnets, des écharpes, voilà, enfin, c'est un truc qu'on range ça. Mais elle nous met des vêtements propres et sales, donc c'est cool. Alors, du coup, après, elle nous dit j'ai plus de pantalon, j'ai plus de pull. Mais en fait, c'est tout dans le truc, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça, j'ai nettoyé un peu. Enfin, non, j'ai pas nettoyé, j'ai fait du rangement dans notre chambre. Voilà. Et puis voilà, donc bon, j'ai pas fait notre dressing, je le ferai une autre fois parce que là j'en ai marre des vêtements, là ça me saoule. Donc voilà, et là je vais pas tarder d'attaquer le repas de midi, sachant qu'il est midi et quart, hein, donc je pense qu'on va manger très, enfin pas très tard, mais vers 1 heure je pense. Même les bébés ils sont levés à 10h ce matin, donc du coup ils vont pas manger à midi pile, hein. Ils vont manger vers midi et demi, 1 heure quoi. Et donc à midi on va faire des gnocchis à la carbonara, voilà, au Thermomix, voilà. Thank you.
Donc là, on fait revenir 4 minutes vitesse 1 les lardons et l'huile d'olive. J'ai mis de l'huile d'olive, normalement c'est de l'huile de tournesol, mais j'en ai pas. Donc du coup, je fais avec l'huile d'olive, c'est pareil. Ensuite, le tout cuit pendant 4 minutes, vitesse 1. 7 mètres de plafond, près de 2 mètres d'épaisseur de mur. Et là, avec la queue, ah, il y a toujours la queue, la prof. S'il n'y a pas la queue, c'est que c'est fermé. Ah. Donc la queue, puis le dessert. Voilà, il est 4h15, donc là les bébés sont encore à la sieste, mais je pense qu'ils vont pas tarder de se réveiller pour le goûter. Voilà, moi je viens de regarder le sketch, le spectacle de Danny Boone des Hauts-de-France, là je sais plus trop ce que c'est, sur Netflix. C'était pas mal, c'était marrant, et un petit peu long peut-être, mais super marrant. Voilà, et là je vais m'attaquer à faire une recette au Thermomix encore, oui, on ne m'arrête plus. Donc je vais faire des biscuits de Noël, on va essayer de ne pas les rater cette fois, parce que l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, on avait raté la recette, donc on va essayer. J'ai plus beaucoup de voix aujourd'hui parce que je commence à être un peu malade comme les bébés, donc voilà.
Et là, on a l'enfant. Ouais. Attends. Doucement. Ah, il est Anne. Attends, je te fais les pas. Pourquoi je te dis, n'êtes pas nettoyé pas. Appuie. T'enlèves le tour après et après on enlève. C'est moi qui arrive le truc. Le tour. J'ai plus de place. Bon, on va s'arrêter. Et voilà nos petits biscuits de Noël. Donc, vous verrez, il y en a quelques-uns qui ont un peu cassé, mais bon, celui-là. Voilà. Mais bon, le reste, à la fin, ça allait beaucoup mieux parce que la pâte était un peu plus chaude et ça allait mieux, quoi. Voilà, donc je suis quand même contente. C'est quoi? Oh, c'est chaud. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, on est le soir, donc je ne t'ai pas repris depuis les biscuits de Noël, je crois, mais bon, on n'a pas fait grand-chose cette fin de soirée, de journée plutôt. Donc là, on a fait un Mondor ce soir au repas, donc c'est un fromage, c'est comme une fondue, mais c'est vraiment le fromage Mondor dans une petite boîte en carton, je vous ai filmé un petit peu. Et voilà, donc c'était bien bon, et donc là, on est en train de regarder les Miss France, voilà. Il y en a quelques-unes qui sortent du lot quand même, donc voilà. Re-coucou, on se retrouve, on est dimanche matin, donc là il est 10h30 à peu près, Christophe est au boulot, il est d'astreinte ce week-end, je vous l'avais dit je crois, donc du coup il y va le matin 1h30 et après il revient, mais il a le téléphone toujours sur lui quoi, voilà, en astreinte quoi. Voilà, et donc hier soir on a regardé les Miss France, j'étais pas très... Enfin, non, c'était pas celle que j'aurais choisie, mais bon, bref, on s'en fout. Voilà, et donc, voilà, on s'est tous levés à 9h ce matin. Là. On a été coupé par Christophe qui m'a appelé, là, pour... il va rentrer d'ici 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Donc là, Eliane, on était en train de faire les devoirs avec Eliane. Voilà, aujourd'hui, on ne va rien faire de spécial. Je pense que je vais commencer à regarder un peu la déco de table de Noël. Je regarderai sur Internet ce que je peux trouver. Voilà, et puis on va choisir aussi nos menus de Noël parce que donc le 24, on le fait avec les parents de Christophe, chez une tante à Christophe. Voilà, et le 25, on le fait chez nous avec mes parents, mon frère. Et donc du coup je pense qu'on va prendre traiteur et du coup il faut qu'on choisisse quoi ce qu'on va manger avec le traiteur quoi, voilà. Il est presque midi et demi, donc là les bébés sont en train de manger, Christophe est en train de leur donner à manger, je leur ai fait des courgettes avec du jambon là, voilà. Christophe a fait aussi un gratin de courge, il en reste plein encore, donc voilà. Moi j'ai fait un shampoing pendant ce temps et j'ai aussi. Louis, doucement s'il te plaît. Et j'ai aussi commandé des décos de Noël, des décos de table pour Noël. Voilà, donc j'ai commandé sur Emisa et sur un petit site mes petits packaging. Voilà, j'ai commandé des confettis de Noël en bois et un centre de table aussi, voilà. Et il me reste à trouver aussi des sets de table ronds dorés, j'aimerais bien en trouver. Et tout ce que j'ai vu sur internet, c'était pas terrible, enfin c'est pas que c'était pas terrible, mais c'était que la livraison était très très loin, donc ça servait plus à rien. Donc du coup, j'irai voir demain, je pense, chez La Foire Fouille et dans un magasin de décoration de table et tout. Voilà, je verrai ça demain. Voilà, donc je suis contente. C'est dedans, il y a ta mère.
Il est bientôt 17h, donc là cet après-midi on n'a rien fait de spécial. Moi j'ai regardé un Netflix, j'ai regardé En dessous des herbes hautes, je ne sais pas trop quoi, un truc comme ça, les herbes hautes, dans les herbes hautes, voilà, j'y arrivais. C'est un peu un style de Stephen King, donc ça va. Enfin, c'était un petit peu spécial, bah, Stephen King quoi. Voilà, et voilà. Et puis après, on a fait un chocolat chaud chantilly avec les enfants au goûter. Ils ont bien aimé ça. Moi, quand je fais ça, et voilà, c'était bon. Voilà. Et donc là, Louis et Léane sont dans le bain déjà. Voilà, Louis a voulu prendre son bain déjà, donc il y va. Et voilà, donc déjà je vais vous laisser là sur ce vlog parce qu'il ne va pas se passer grand chose de plus. Hein. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense qu'il va être un petit peu long donc avec les recettes Thermomix. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog. Gros bisous, ciao.